terriens, bonjour, bienvenue dans un monde où la technologie n'a plus de limites. Bienvenue dans le monde des abattables. Si jamais tu n'as pas ta tablette tactile en main, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Va vite la chercher car c'est le moment de jouer avec nous et ton score va compter. Tu vas pouvoir comptabiliser des points pour personnaliser ton avatar et jouer tout au long de l'émission. Alors cours, vas-y, dépêche-toi. Les présentations sont faites et je sais que vous avez tous envie de jouer. Vous n'en pouvez plus, vous êtes impatients. Ça tombe bien puisque c'est le moment des qualifications. Première question, équipe des taupes de l'espace. Vous êtes prêtes? Oui. Mais oui. C'est parti. Lesquels de ces serpents sont venimeux? Trois bonnes réponses entre la couleuvre, le cobra, la vipère, le boa et le crotale. Est-ce que tu t'y connais en serpent chez toi? J'espère bien que oui, car tes points te permettent de personnaliser ton avatar. Et peut-être de nous rejoindre une prochaine fois dans l'émission. Bon dialogue apparemment entre Catherine et Julie. Très au point sur la communication, ces taupes. Plus belle taupe de l'espace que j'ai vue d'ailleurs. Vous pouvez valider, plus que 5 secondes. Stop! On va tout de suite jeter un œil au résultat. Ah mince, vous avez choisi le bois. Le bois effectivement est très dangereux parce qu'il peut enserrer ses proies. Il a une force incroyable. Malheureusement, il n'est pas venimeux. C'est fini pour ce premier round. On va jeter un œil au score intermédiaire. Nous avons 20 points pour les taupes et 40 pour les bananes. Pour l'instant, ce sont les bananes qui mènent la danse. Le deuxième round, c'est maintenant. Associez ces quatre images à ces cinq noms de sources d'énergie. Top, la première question, nucléaire, hydraulique, éolienne, solaire et fossile. Alors, c'est pas évident toujours de voir ce qui est dessiné. Des fois, sur la planète en bataille, on est un peu fou, on fait des dessins qui ne ressemblent à rien. Mais quand même, tu peux deviner, c'est un peu un challenge supplémentaire. Apparemment, elles ont l'air de savoir ce qu'elles font les deux candidates. Et elles ont validé. Est-ce que toi, tu as été aussi rapide chez toi? Plus que quelques secondes. Stop! Alors on va regarder tout de suite votre résultat. Stop pour les scores. Et c'est un sans faute que vous avez fait, pas mal. En plus de ça, on a 50 points par bonne réponse. Ça vous donne 200 points supplémentaires. Score total 220 points. Et tous ces points vont te permettre de customiser ton avatar, de le rendre beau et aimable. Non, aimable, ça c'est tes parents qui regardent avec toi. Mais en tout cas, tu auras un avatar merveilleux si tu collectes beaucoup de points. Je sens que vous êtes fin prêt pour vous lancer dans la course au bonus. La course au bonus, ce sont les mondes immersifs. On commence tout de suite avec le Méli Mémo. Léo, téléportation! Léo, est-ce que tu me reçois? Ah oui. Parfait, alors c'est parti pour le Méli-Mémo. Il s'agit donc d'exploser les ballons en reconstituant des mots donnés. Le premier mot, noble. C'est un mot assez facile parce que peu de lettres. Il est rapide, Léo. Très très efficace. Il arrive à exploser tous les ballons. Alors là... Oui, ça fait 100 points, très bien. Attention, c'est presque fini, plus que quelques secondes, stop! Pas mal, Léo, tu as réussi à avoir un score total de 890 points, 890 pour les Français qui nous regardent.
J'espère que le Tarte Attack va aussi bien se passer. Je te rappelle le but du jeu. Il faut atteindre des aliens au moyen de tartes à la crème. Ok, je lance la téléportation. C'est bon, Marie-Ève, la banane est atterrée. Magnifique! Alors, c'est parti pour le Tarte Attack! Allez, Léo, tu as 1 minute 30 pour dégommer un max d'aliens. Le premier alien déguisé a un petit foulard bleu très sympathique. Où est-il? Il y a plusieurs étages à cette tarte. Hein. Peut-être qu'il est sur l'étage du bas. Ça y est, apparemment, il a repéré l'avatar. Et il faut l'atteindre. Il a lancé la tarte. Et c'est bon, un alien est trouvé. 100 points. 100 points pour le duo. J'espère que toi aussi tu gagnes des points, que toi tu es encore plus rapide, car tes points te servent à customiser ton avatar, à te faire remarquer, bah, par exemple dans ce jeu. Parce que là, tous les avatars que tu vois, ce sont des téléspectateurs qui jouent tout le temps aux imbattables et qui sont très très bons. D'ailleurs, si tu es excellent aujourd'hui, tu peux même remporter 2 journées de ski à Villars. 5 secondes, 2, 1, stop! Reviens avec nous, Léo! Bienvenue de retour parmi nous, Léo. Tu peux aller te placer derrière ton pupitre. Malheureusement, toi, tu ne peux pas jouer au Futureka. Et non, c'est un privilège réservé aux imbattables qui nous rejoignent dans l'espace. Mais tu peux toujours continuer à regarder pour t'entraîner avec nous tout de suite. Le Futureka. Il s'agit de découvrir l'ustensile de cuisine caché derrière les pièces. Quel est votre premier choix de pièce? Je pense 7. 7. Parfait. On enlève la pièce 7. Et on voit pas grand chose. Léo? Oh, c'est une louche. C'est une louche. T'es sûr que c'est pas une poêle ou quelque chose comme ça? T'es sûr de ta proposition? Oui, c'est une louche. Ok, on valide, on vérifie. C'est effectivement une louche. Ouais. Félicitations, les bananes. J'aime trop votre danse. Vous savez ce que vous remportez?